Bonjour tout le monde, c'est Kana, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? On se retrouve pour la suite du Let's Play de Dark Souls 3. On s'est arrêté juste après avoir tapé l'esprit sombre, n'avoir réussi à le bannir. On devait monter au niveau de la cathédrale du boss, hein, de la zone. Donc je vous laisse profiter tout de suite du gameplay, je vous retrouve en fin de vidéo. Ah, trop un genre que je fasse un perso à l'arc, parce que c'est... Je pense que ça serait compliqué, il faudrait quand même une arme. Mais... Ok, j'ai la première. Le chien. Il est où le chien? Il est pas venu le chien? On a pourtant bien entendu, on est d'accord. Hein. Elle est bloquée là. On va tuer le bugué. Ah, je peux pas du tout le... est-ce que ça me permet pas déjà d'avoir un raccourci ici? Ouais, là partout. Regarde! Nickel. On a réussi. Alors, refaire mon titanite, on va actionner le petit raccourci. Tu vas m'en donner, je crois, au niveau de la place, si je m'en rappelle bien. Voilà. Que je pourrais arriver du feu principal. Ça me fait un peu de la trotte quand même. Hein. Trois fioles. Il me semble que le secteur là, il a assez d'art. Il y aura encore genre des chevaliers, des trucs comme ça. Je suis sûre que vraiment il y a un raccourci où tu tapes le balcon, une bêtise comme ça et ça t'ouvre un chemin en fait. Tu peux tomber. Ou un truc dans le genre. Bon, je me rappelle d'ici, c'est la misère. Je vais voir ce qu'il y a en bas. Oh, Kana! Oh, comment j'ai couru comme idiote. La pire histoire de ma vie, quoi. Oh, bah c'est bien, comme ça je vais arriver derrière. En fait, c'est pas si mal que ça. Chose, on apprend le piège. Hop. C'est cher parce qu'en fait, elles sont genre à mort, voilà, tu vois. Il y en a trop ici. Comme tu les vois pas. Voilà. Regarde ça. C'est beaucoup moins pour une pièce, hein. Alors moi, il y a une qui fait la magie en dessous. Voilà. Voilà, si je suis congelée. Il me manque survie. Il est ici. Bon. On va se cacher, c'était où? Ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. Bon, au moins ça s'est fait. Pouvoir sortir. Le shield. Oh, un loot. Une âme de guerrier épuisée. Il y a un truc. Elle est en bas. Ah, c'est ceux là-bas.
C'est là-bas, Sodima, qui descend les escaliers actuellement. Ah bah oui, c'est là où il y a les chevaliers. Pire que les chevaliers. Un faucheur. Quand tu veux que tu t'arrêtes, hein. C'est de la marche, hein, à défaut. On va pas se faire avoir comme tout à l'heure. Il veut pas, hein. Tu sais, mon gars, on peut se regarder longtemps comme ça, hein. C'est une blague. C'est une putain de grosse blague. On peut tomber pour retourner au niveau de la place et ramasser le loot qui est ici. Mais bon, vous voyez ce qui m'attend en bas. Franchement, ça donne franchement pas du tout envie de tomber. Vraiment. On va voir le petit raccourci. Avant de se suicider. Je crois avoir entendu quelque chose. Ça dit quoi, ça? Attaque nécessaire. Dommage, qu'irait-il, en fait, tu fais vraiment une toute petite fraction de cette zone. Alors que c'est... Tu sais, quand ils ont fait le design du château, il y a vraiment beaucoup de secteurs, des tours et tout. Et au final, tu fais juste vraiment des... Des allées principales, quoi. Deux. Ah ben il y en a une troisième, non? Et on a ouvert le deuxième raccourci. GG. On fait notre petit bonhomme de chemin. Ah. C'était pas voulu, ça, par contre. Bon, on va pas se cacher, j'ai qu'une fiole. Donc, je peux pas... Pas grand chose. On va essayer d'aller chercher le loot. L'anneau de l'aîné solaire. On va regarder ça après avoir utilisé un os du retour. Utiliser. On va aller au sanctuaire de l'icheveu pour mettre nos âmes. Même si on n'a pas grand chose, grand chose. Un niveau, c'est un niveau. On va pas chipoter dessus. Surtout quand on voit tout ce que j'ai perdu la dernière fois, c'est... Ouah. Vaut mieux éviter, hein. Ah ouais, j'ai quand même 37 000, hein, mine de rien. Hein. Alors. Qu'est-ce que je pourrais mettre, sachant que la piqueur, ça me donne quoi? Outre le ratio, ça me donne de la défense. Pas d'attaque au niveau des armes, plus des défenses. Ouais, je pense que je vais optimiser un peu ma défense physique. Ashen One, Sovereign. Ashen One. Farewell, may the flame. Ashen One. Ah, have. Alors, on va lui donner la cendre anémique. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash be stone nourish. I only hope these new wares. On remarque quand même qu'elle nous dit, on lui donne des cendres de caca et elle nous dit, ouah, ça c'est une cendre de qualité et tout. On lui apporte une cendre de rêveur, elle dit, ouais, ça c'est de la merde. Encore un. Enfin, dans un sens, elle a pas tort, puisque bon, bah tu peux pas trop te, tu peux pas trop te permettre de rêver dans le monde dans lequel ils vivent, mais bon.
Ça fait mal à personne, quoi. Si je puis dire. Ah bah, j'ai plus d'âme. C'est la crise totale. Franchement, le pattern combat du boss qu'on va voir, je m'en rappelle plus du tout. C'est le trou noir total. Donc, je peux acheter des braises. Une braise? J'ai combien? 3000. 3000 âmes. Oh, non. Oh, quoi que je risque de les perdre. Fragment de titanite. Dague, épée courte, cimetière, fléau, halbarde. Bâton de sorcier, arc et hache en croissant. Tu rends pas des titanites scintillantes sinon? Franchement, moi je dis pas non. Hein. Ouais, on va y acheter une braise. N'est-ce pas? Le forgeron, je pense qu'on a donné tout ce qu'on pouvait. Voilà. Renforcer l'arme, malheureusement, vit-il. Bah. 8 titanites scintillantes. 8 titanites scintillantes. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de scarabées qu'il faudrait buter? C'est chaud, hein. Il faut que j'essaie de trouver le voleur. Là. Ouais, je sais pas du tout où il est. Battle invisible. Well, I remember me. I slipped you those red. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Ah, je sais où c'est. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? Non, pas trop. If you fancy a prop and kill, he has been. I can see. En fait, c'est la porte qu'on avait vu fermée au tout début dans le château de Lothric. Là, on avait été libéré Geralt. Il y avait une autre porte qui était fermée à l'arrière. En fait, c'est cette section-là où il y a un mec. Un mec bah, buté qui est assez fort d'ailleurs. Si mes souvenirs sont bons. Il est assez fort et bah, faut tuer pour avoir l'œil, justement, l'œil rouge. Sans fissure. Mais bon, comme on dit, hein, nous ça nous intéresse pas. On est là pour faire le contenu PVE. Et non pas pipi. Je regarde si j'ai. Je n'ai pas. Donc on va voyager vers. Ah, j'ai pas le choix, hein, l'église de Yorshka. Ah, elle s'en tirait-il? Ah, je peux. Bah, ça fait loin, hein, en vrai, hein, s'en tirait-il. Hein. Pour moi, il y avait un autre feu. Et je pense que j'ai zappé l'autre feu. Est-ce que tu peux arriver à partir de la aussi? Ah bah non, quoique, bah oui, à partir de l'église, je peux revenir et sur mes pas et courir tout droit, prendre en gros l'autre chemin. Oui, c'est ça, c'est tout simple. Je me prends la tête pour rien en fait. J'ai de la braise, j'ai mon truc de fiole d'estus, j'ai mon bouclier, mon épée. Et bah il manque plus que moi, j'ai envie de dire. Mais bon, moi je me sens pas prête psychologiquement à affronter le boss. Surtout quand je m'en rappelle plus le boss que c'est. Donc bon, si je m'en rappelle plus, c'est que normalement ça doit être un bon signe. C'est qu'il ne devrait pas être trop dur. Il devrait pas, n'est-ce pas? Il devrait pas. Je sens mal. On va esquiver les bébêtes. Il ne peut n'étant pas de les tuer. Hop. On va esquiver les chevaliers. Le but n'étant pas de les tuer non plus. Et on va pas le moyen. Ah, je me rappelle. En fait. Bon, moi j'ai rien dit, c'est super dur. Ce boss est super dur. Grand maître Sullivan.
Ouais, c'est ça en fait, sa difficulté c'est qu'il enchaîne assez rapidement et du coup je... t'es à combien de try là, Kana? Je suis au deuxième, je viens de commencer, je viens de finir la zone. Et je me rappelais même plus du boss, tu vois, alors qu'il m'a pas mal victime sans mes autres games. Mais je me rappelais plus du tout. Je crois que c'est pour ça en fait, il m'a tellement victimisé que j'ai préféré en fait éjecter l'information de mon cerveau et de faire chut, poubelle. Allez. Va falloir changer d'épée, hein. Ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Ils s'en foutent mes dégâts. C'est là. Trop tard. Là. Je suis dans la merde. Ok. Comment je dois faire déjà? Je vois. Est-ce qu'il faut que je tue le double ou est-ce que je l'ignore? Merci la récup de constitution. Elle a repris son double, je me heal. Non, non, elle l'a pas repris. C'est une arnaque. Je suis dans la merde. Il va me sauter dessus. Ça. Tiens. Je vois rien, je suis dans la merde, je vois que dalle. Rappelle ton double, s'il te plaît, rappelle ton. J'aurais bien aimé que le mec à la fouille me la loot. C'est parti, on le retry. Troisième fois. On remarque quand même que je peux prendre le même coup. Est-ce qu'on peut la faire une attaque viscérale? Ça, c'est fou, c'est
Nice! Putain! Voilà! Tiens! 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 Putain, j'ai réussi quoi! Yes! Merci! Merci, merci! C'est cool, franchement j'ai réussi, c'est cool. Ça a payé d'avoir d'avoir mis les points en dex plutôt qu'en force, enfin en endurance. Il me semblait que je pouvais actionner le mécanisme portant un passage secret quelque part. Qu'il y avait quelque chose. Est-ce que ça... Ah non, c'est à partir d'un autre endroit, t'arrives en haut et après t'accèdes à la mécanisme et après t'as le TP. Ok, bon. Ah, t'es la King au fait. Alors, on va y voir le foyer, qu'est-ce que ça donne. Ah ah, that's all. Alors. Ça donne quoi l'homme du grand maître Sullivan? Wolnir? Ah, c'est ça. Un espadon profané. Faut que j'achète un espadon absolument. Waouh, force! C'est de la force brute. Ça fait quoi? Flamme profanée. Invoque temporairement la flamme profanée permettant de bondir en avant et de lancer une attaque puissante qui embrase la lame. Oh, ça a l'air tellement frais! L'épée de cérémonie tenue en main droite par le grand maître Sullivan. Elle symbolise la flamme profanée. Et il avait la main gauche aussi. C'est quoi le truc avec Jugo? Avec ce... Ah, c'est ça. L'espadon du jugement. L'épée de cérémonie tenue par la main gauche par le grand maître Sullivan. Elle symbolise le jugement de la lune. Mais les énergies qui l'habitent sont plus proches de celles de la sorcellerie que celles de la lune à proprement parler. Sa couleur bleue, plus teinte, plus sombre que celle des lunes en pleine éclipse, révèle la véritable nature du sorcier Sullivan. Posture du jugement. Adopter une posture pour libérer la magie noire. Exécute une attaque normale, permet de lancer une charge des stocks. Et l'attaque puissante émet une onde qui balaye la zone latéralement. Ah, c'est le skill qui nous a fait. Bah, franchement, je préfère l'espadon, je pense. Parce que, à mon avis, ça faut de la magie. Peut-être la sorcellerie, des trucs comme ça. Et comme on n'est pas copé sorcellerie, du coup, je vais acheter l'espadon profané. Et puis, je vais regarder tout de suite. Ce qui m'emmerde, c'est que je peux rien équiper, j'ai pas de poids. Regarde ça. Ah, ça nécessite pas de magie. Ah, ça me permet d'attraper. Ah si, ça nécessite de la magie. Ah non. En fait, la magie, c'est ça. C'est quand tu vas attraper. Ah, tu donnes un coup d'épaule. C'est bizarre. Bon, petit problème, c'est que je ne peux pas porter. Vraiment, c'est insupportable. J'ai un ratio de poids 83%, même si je retire ça et ça. Ah si. J'ai rien pour améliorer, tiens. Je me demande ce qui c'est quoi pour l'améliorer. Alors. Oh, écaille de titanite. Rien que ça. Bah oui, c'est une arme de boss. Automatiquement, qu'il y en a à quoi tu t'attendais. Je sais pas s'il y a d'autres armes mieux. Ah, là c'est écrit que c'est une arme unique. Celui-ci n'est pas une arme unique. Ah. Ah. Elle a moins de force que mon épée dirait-il hein, quand même. Hein. Pretty, be careful. Ah, écoute. C'est la tristesse. C'était pas un des quatre seigneurs, on est d'accord. Hein. Sullivan. Hein. Non, c'est pas un des quatre seigneurs. Maintenant, il faut que j'aille
que je peux tomber là directement? Ça court loin, comme ça vous allez pas m'en venir à la gueule. Elle a commencé déjà à m'attaquer. Ça, c'est, il fait les mêmes attaques que le mec au shield là. Espèce de fils de chien. Ah, c'est le grand maître Sullivan du coup ici. Oh là 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 là, j'avais zappé celui-là. Oh là 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 là. Oh mais c'est pas vrai ce jeu. J'ai envie d'avoir encore une fois augmenté ma... casque de sorcière du... Ah c'était une femelle. Moi j'avais pas l'impression que c'était une femelle. Hein. Dommage que je peux pas te donner des coups de torche. Motherfucker bitch. Tiens. Ouais, ton cadavre. Un fragment de titanite. Je sais plus où sont les passages secrets. Oh non, c'est là où tu te fais envahir. Oh non. Oh. C'est là où tu te fais envahir. J'ai pas envie de me faire envahir. Ah oh bah ça y est, je suis au cachot. Les fameux donjons. Donc tout le monde entend de petits ébrasses parce que de toute façon ça sert à rien ici. S'il faut la clé. Donc de toute manière ma vie va diminuer à la vitesse d'éclair. Bon là faut pas que je me fasse surprendre, le mec il va crier. Je pense que ça me surprendra toujours. Ah oh, je me rappelle plus du petit squelette là. Cachot. J'ai l'impression que j'entends quelque chose. Ah, ça va être au-dessus de moi. Genre à ma vue. On en reparle ou pas? On en parle de la vie qu'elle m'a retirée ou pas? Aussi. J'en ai fait de tomber, non? Ça va revenir au même. Tu connais bien, ouais, j'ai vu que tu traînes assez là-bas. Ça avait l'air d'être ton terre-terre, les cachots, dis donc. Ah, oh, j'avais oublié le piège.
Oh, il me pète les burnes, lui. Deux fois qu'il me fait tomber, quoi. Vraiment pas une petite transforme. Ah, genre vraiment pas. J'ai laissé le bout. La tenue du sorcier. Gaffe. On va voir ce qu'il y a au bout. Faut être malade. C'est portrait. Rembourser magique. La magie comme par hasard, moi ça m'intéresse pas du tout. Hop, je sais le psycho. Je suis contente de l'avoir fini. Tu m'étonnes. Ici tu passes qu'une fois, en général tu traînes pas. Hein. C'est. Ça a été vite ça comme la peste quoi. Là, le jeu me dit que les meufs elles me voient parce que on les entend en plus lâcher le poison. Je vais pas le laisser se transformer. C'est un cul-de-sac. Normalement, il y a le pont. Ah, le pont est au-dessus. Ah, c'est une colonie de grilles qui bouge ici, hein. Regarde-moi ça. Hop. Bon, c'est mort. Plus qu'une. Ok. Ici il faut la clé. Voilà, c'est verrouillé. Du coup je vais pouvoir remonter. Profiter du spectacle. Ça fait peur. Petit. Ça me fait trop peur. Ah bah du coup la rameute. Un squelette, je suis morte, littéralement. Et on se rappelle du squelette qui m'a fait tomber, hein. C'est quoi le truc qui tape là? Arrête de taper! T'as réussi à faire la truc du roi du dragon, du coup? King? Ah, mais de le faire remarquer. Non? Ouais, je sais plus précisément où tu l'obtiens, petit mode de la voix du dragon. Je me suis pas mis dessus. Ah, d'accord. Souvenir, c'est un piège ici. Ah,
truc qui ressemble à rien là. Qui fait peur sur le mur. Au-dessus de nous. Ouais, tu es la femme. Tu t'y accroches à la phase, c'est pas grave. Je sais pas ce qui se passe, c'est quand là-dessus. Les gants de geôlier. C'est le sel gentil. Ah ouais, c'est celui qui nous attaque pas, mais. Mais bon, tu vois. Je préfère garantir ma sécurité. J'attaque tout le monde. Ici. Il n'y a pas de d'amis sur cette section. Tout le monde est à mort. Du coup, je rentre. Ici, ici. Là, je fais attention. Ah, je suis de l'autre côté de la rue. Du coup, je vais l'ouvrir. Et si je suis pas du tout à l'aise, parce que le donjon, j'ai tendance à me perdre. N'hésite pas à me dire si tu sais si je rate des trucs et tout. Je vais l'évader. Est-ce que ça permet d'ouvrir la grille de l'autre côté? Par là-bas. Il y a du fond là-bas. Non? Non, t'inquiète. Ah, si j'oublie, j'ai pas rien oublié. Ok. Ok, c'est ça. Donc, ce secteur-là, je le ferai après. Je crois qu'il faut que je fasse en bas. Enfin, si, essaye. Ah, d'accord, c'était par rapport à la porte, tu t'es envoyé. Oui, je suis allé par ici. Et il me restait à descendre les escaliers, hein. Ouais, d'accord. J'ai pas envie de finir avec 5 cm de vie. Déjà, vous me l'avez vachement réduit, hein. Donc on va se détendre. C'est ça qui crée là. J'aime simple. C'est complètement déformé, les pauvres. Elle ressemble plus à rien. Je trouve que je m'en sors pas trop mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses, franchement, ça va, hein. En vrai. Impossible de ce côté. Il me semble que ce scarabée est un piège. Quand t'entends crier, au bout d'un moment ça va bien les idioties quoi. Oh. Réveillez tout le quartier. Aucune pitié pour les gens. Ils s'en foutent des voisins. Ah. Vraiment. Moi j'allais chercher. Ah non, je pouvais pas, c'était fermé. Du coup là je pense que j'ai tout pris. Il ne reste plus qu'à aller tout droit puisque là c'est fermé. Bon, je vais aller tout droit. Il me reste 6 fioles d'astuces. Ah, celle où j'aurais dû tomber parce qu'en fait il y a le piège. C'est pas grave. Oh la truc profané. Oh la cité profanée, c'est tellement horrible. Oh, tu vois, cette section là par contre je vais galérer. Ah bah c'est pour Yorm d'ailleurs. C'est vrai, c'est pour Yorm le géant.
Yorm qui a d'ailleurs, si tu sais, il y a un glitch, entre guillemets, un glitch, hein, dessus. Je sais pas si tu sais. C'est pas vraiment un glitch, hein. C'est le même bruit que les mobs dans Bloodborne. Non, on connaît aucun glitch. Bah, en fait, c'est pas vraiment un glitch. C'est plus. T'as vu l'épée que t'as ramassée au fond du. De son trône. T'as ramassé une grande épée, un genre d'espadon, une connerie comme ça. Ouais, et bah figure-toi qu'en fait cette épée c'est son counter, c'est son contre. Il faut que tu aies ses attributs, et en fait en gros tu vas mettre les attributs, tu rentres, mettre des tempêtes, voilà, et elle a une attaque. En fait si tu veux, quand tu la charges et tu lui balances dessus, ça le stun. Et ça lui défonce sa gueule. Le boss tu tues en deux tries, il est mort. Ah tu sais, bah voilà, c'est ça le truc. Oh non, c'est une mimique. Ok. Oh, un fragment d'estus. Oh là là, y a, on va passer à 11 fioles. Parce que comme j'ai pas eu la fiole du sanctuaire, oh, t'étais pas là. Et du coup, je savais pas comment faire, par où aller. Et du coup, bah... Bah, voilà. Je me suis fait acculer dans un coin. Mais moi, j'avais bien la zone. Et nous voici arrivés à la fin de ce let's play, de ce petit épisode de Dark Souls 3. On a du coup fini la section du château d'Irithyll, on s'est retrouvé maintenant dans les cachots. On a réussi à passer le grand maître Sullivan en 3 fois quand même. Je suis plutôt fière de moi. 3 fois c'est quand même quelque chose d'énorme, surtout pour une personne qui s'est pas très très bien joué pour moi. Surtout que sur mes autres games j'avais pas mal galéré. Bon. Au moins c'est fait, c'est passé. On est dans la petite zone annexe où normalement il y a beaucoup de PNJ, etc. Malheureusement j'en ai raté les 3/4, je dirais même tous, j'ai tous raté parce que j'ai pas trouvé les chemins qui mènent au cachot en dessous, inférieur, que vous allez voir de toute façon plus tard. Sur ce, n'hésitez pas à follow la chaîne, ma chaîne YouTube ainsi que ma chaîne Twitch, à en parler autour de vous pour essayer de me faire connaître si jamais vous appréciez mon travail. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée et nuit. Bye bye.